Le fort n'a pas l'air abandonné comme nous le croyons. Il est même bien garni. Je vais devoir attirer leur attention. Dès que je serai hors de vue, attendez 10 minutes, puis bombardez le fort. Je profiterai de la canonnade pour m'infiltrer derrière ces murs. Entendu. Ça me paraît un peu dangereux, mais vous savez ce que vous faites. Je doute qu'ils laissent des pirates comme Lucky Lem sortir de leur cellule. Alors, si ce parchemin existe, il est ici. Je vais devoir faire le tour pour éviter la cour. Sûrement une mouette ou un rat. Ce sont les seuls qui viennent jusqu'ici. Quelle perte de temps à traverser l'océan!
Dépêche-toi! On aura droit au fouet si on rate encore le discours du capitaine! J'arrive! J'arrive! Ce fort ne sert à rien. Les chefs ont puni le capitaine pour ce qui s'est passé en Pologne. J'en ai assez. Nous sommes stationnés ici avec l'ordre de tenir Fort Walcott, coûte que coûte, face aux assauts rebelles. C'est là tout ce que vous avez à savoir. Vous ne connaissez rien à la stratégie et vous ignorez tout des mouvements des rebelles. Alors taisez-vous. Le prochain que j'entends discréditer le bien fondé de cette mission aura droit à 6 coups de fouet et 7 coups en cachot, résistant à l'air et l'éclatère. A perdu la tête. Comment peut-on faire ça à un homme? L'ennui peut s'avérer fatal quand on est soldat. Cette vermine a eu ce qu'elle méritait. Un tel comportement est intolérable. Que cela vous serve de leçon à tous. Il pensait pas vraiment ce qu'il a dit. Tu te ramollis ? C'est pas juste, c'est tout.
Vous êtes en retard, capitaine. Je crois que la garnison du fort n'a guère apprécié ma visite. Et quoi? Ce satané parchemin, quelle question! Il était là? Il l'était, monsieur Faulkner.